Hello, hello, les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo, je vous partage une astuce, un tricks pour vous permettre de créer des séquences rythmiques intéressantes facilement, et d'ailleurs pas seulement uniquement des séquences rythmiques, parce que vous allez voir que cette technique peut servir également pour créer des séquences même mélodiques, hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, l'idée, c'est de partir d'une ligne de hats, hein, d'une séquence de hats. Donc là, j'en ai programmé une un petit peu dans un contexte un petit peu trap, hein, avec voilà, quelques rolls par-ci par-là. Hein. J'ai placé mes hats dans un sampler. Je vous conseille de faire pareil, c'est une technique que je vous avais partagée dans une précédente vidéo, puisque ça permet comme ça de modifier notamment le pitch des hats, hein, même si là j'ai pas fait un truc foufou, hein. Ça modifie simplement sur une seule hauteur de note, hein, que vous voyez ici, hein. Mais enfin, bon, l'idée c'est de pouvoir comme ça obtenir des variations de pitch, ce qui va rendre d'autant plus intéressant la séquence de hats, mais également du même fait ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors je vous fais écouter la petite séquence que j'ai programmée ici, puis ensuite je vous montre exactement de quoi il s'agit. Voilà, et donc l'idée c'est de remplacer cette sonorité de hats par diverses sonorités, mais pas seulement, sinon ça serait trop simple. Ça va être aussi de jouer avec le paramètre de release pour obtenir justement des variations intéressantes. Alors on va pouvoir soit utiliser un paramètre de release, tiens je vous montre ça dans mon sampler, on va pouvoir utiliser un paramètre de release soit fixe, si on obtient une sonorité qui nous convient telle quelle, mais on va pouvoir aussi bien sûr automatiser ce paramètre de release pour créer des variations, et vous allez voir que sur certaines sonorités c'est vraiment très intéressant pour créer des effets un petit peu spécifiques. Par exemple sur des cymbales, hein, si j'insère une crash cymbale, on va faire le test ici là. Voilà, tiens je vais prendre la première qui vient. Donc sur une crash cymbale, ça peut être intéressant pour créer différents effets justement de cymbales, hein, de la même manière que pourrait le faire un vrai batteur, c'est-à-dire passer d'une crash cymbale à une charlée ouverte ou à quelque chose de vraiment beaucoup plus court. Hein. Bref, tiens, on va expérimenter la chose ici. Donc moi, je vais simuler une automation. Bien sûr, il faudrait la programmer directement dans notre espace de travail là. Bon, moi je vais le faire manuellement, et puis de temps en temps je vais peut-être même laisser des valeurs de release fixes pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez obtenir comme type d'effet là uniquement sur un son de cymbale. Évidemment, si vous changez de son de cymbale, vous allez peut-être obtenir un effet encore différent, donc les possibilités sont vraiment infinies. Et on va voir après que on peut utiliser bien sûr d'autres sonorités que des cymbales. Donc voyez ça. Voilà, tiens, on va en tester un autre, un son de cymbale, on va prendre celui-ci, voyons voir. Bref, vous comprenez l'idée. Donc n'hésitez pas à expérimenter avec différents sons de cymbales, selon le son que vous allez choisir, hein, eh bien vous obtiendrez des effets quelque peu différents. Donc on va tester, tiens, ici avec des effets de transition. Alors ça marche pas non plus à 100%, hein, mais ça marche très très souvent, hein. Il faut donc expérimenter. Alors voyons voir ce qu'on peut faire avec celui-ci par exemple. Voilà, essayons-en un autre. Ok, un autre, un petit dernier pour la route.
Bref, vous comprenez l'idée, hein, donc n'hésitez pas à tester différentes sonorités, hein, voire même des samples, à les raccourcir, pourquoi pas, hein. Vous voyez que moi j'ai utilisé l'intégralité des sonorités ici, mais j'aurais très bien pu choisir des parties spécifiques, hein, et pareil, jouer avec le release, hein. Les possibilités, encore une fois, sont vraiment infinies à ce niveau-là. Bon, l'idée, c'est vraiment de partir d'une séquence de hats, hein, que vous avez programmée, et simplement de la modifier ensuite, hein, à l'aide de cette technique, hein, via une autre sonorité, ce qui vous empêche pas après de reprogrammer une autre séquence de hats par-dessus, bien sûr, hein, c'est pas du tout interdit, hein. En tout cas, voilà pour cette astuce, ce tricks du jour, hein. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, bien sûr, notamment sur les réseaux sociaux, à vos amis. Si vous avez des questions vis-à-vis de cette vidéo du jour, vous pouvez m'en faire part, comme d'habitude, dans la section des commentaires. De même que si vous avez des suggestions pour de futurs tutoriels, je suis à votre écoute. Vous pouvez m'en parler dans les commentaires également. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !